Salut tout le monde, on se retrouve encore en voiture pour un vlog. Je vlog aujourd'hui parce que normalement ce sera un vlog en deux parties vu que je vais chez ma soeur demain pour connaître le sexe du bébé, neveu ou nièce. Et là j'ai un rendez-vous médical donc je vous emmène avec moi à Rouen parce que je voulais aller faire 2-3 boutiques après. Mais clairement, on est un peu dans la merde parce que il neige à fond et que ça tient sur les routes. Donc, est-ce que je peux faire ça? Ça va péter mes essuie-glaces, ça va péter mes essuie-glaces. Merveilleux, donc il faut que j'aille déneiger. Je vais prendre mes gants et je vais aller déneiger la voiture parce que c'est pas possible. J'ai déneigé la voiture comme j'ai pu, mais clairement ça tient à mort et il neige encore plus et j'espère que du coup je vais quand même pouvoir aller jusqu'à mon rendez-vous. Je prévois du coup, heureusement je me suis levée plus tôt, je pars une heure avant pour aller dans Rouen alors que normalement on met quoi maxi une demi-heure en roulant doucement. Je suis gelée, j'espère que mon rendez-vous va pas être annulé, que bah, le docteur va quand même pouvoir être là avec la neige. Non, parce que nous en Normandie on n'est pas habitué à la neige et du coup dès qu'il y a un flocon c'est la fin des haricots, il n'y a plus rien qui roule, toutes les routes sont bouchées. Et regardez, je viens de déneiger et regardez mon pare-brise, il est déjà tout réenneigé. Bon, écoutez, je vais prendre la route maintenant parce que j'ai pas envie de me mettre en retard plus que ça. Je suis à peine dans la ville à côté de chez moi et c'est bouché déjà. Ça glisse énormément, j'ai glissé plusieurs fois, les routes sont très très glissantes etc. Parce que c'est pas trop déneigé en fait dans les petites villes. Et en fait j'ai pris une première route, bah, la route habituelle de chez moi pour aller à Rouen. Et ça te fait une forêt avec un grand virage et il y avait déjà un accident donc la route était bouchée. Donc obligé de faire demi-tour et de prendre cette route-ci là qui est... Je passe par les villes au lieu de passer par la voie rapide. Mais c'est peut-être pas la solution la meilleure parce que voilà, on est bouché, il neige encore, ça se transforme à moitié en flotte. Ça glisse énormément, voilà, je sais pas comment je vais faire, regardez-moi un peu la queue là-bas. J'ai appelé, mon rendez-vous se maintient quand même, le docteur est là. La secrétaire m'a dit que les grands axes étaient quand même dégagés. Vous voyez comme là la route est plutôt dégagée. C'est plus dans ma ville où ils n'ont pas pris la peine de faire tous les petites rues. Mais les trottoirs sont extrêmement glissants. Depuis tout à l'heure je vois des gens qui manquent de tomber. Voilà, enfin arrivé après une heure de route pour faire ce que je fais d'habitude en moins de 30 minutes. Quoi. C'est un film. Les routes étaient bouchées et en fait Rouen n'est pas tellement dégagé alors que c'est la grande ville quoi. Et là je suis sur le parking et on annonçait entre 1 à 2 cm de neige, il y a clairement plus. Là on est facile à 4-5 cm. Donc heureusement je suis arrivée plus tôt, là il est moins de quart. J'ai quelques mètres à faire à pied maintenant, donc je vais aller les faire maintenant. Et rentrer au chaud, je suis gelée, j'ai envie de faire pipi, enfin c'est horrible. Et j'espère que ma soeur pourra aller cet après-midi à son rendez-vous pour l'écho pour connaître le sexe parce que sinon... C'est mort et ce vlog tombe à l'eau. Voilà, du coup moi je voulais aller tout à l'heure rue du Gros qui est juste à côté me chercher mon démaquillant à Saga parce qu'il est vraiment moins cher et j'en ai plus. Mais là vu la neige j'ai pas envie de prendre le risque de me péter une jambe ou quoi que ce soit. Donc je rentrerai, mais là le parking il est pas du tout déneigé quoi. Regardez. C'est un film hein. Je suis rentrée il y a quelques temps maintenant. J'ai pas continué le vlog parce qu'en fait je pensais pas du tout le poster parce que ma soeur m'envoyait des messages en me disant qu'elle allait pas pouvoir aller à l'écho parce que il y avait trop de neige et apparemment l'autoroute qu'elle doit prendre était fermée à cause de la neige parce qu'ils s'attendaient pas à autant de neige. Ils avaient prévu 1 à 2 cm ce qui est rien et finalement par endroit on a eu jusqu'à 6 cm et ils étaient pas du tout préparés à ça, du coup ils avaient pas préparé les routes ni rien et finalement ça s'est mis à pleuvoir entre deux et du coup ça a bien fait fondre la neige. Je regarde par la fenêtre, du coup c'est à la rendez-vous qu'à 15h30 et là il est 11h30 donc elle m'a dit qu'elle allait tenter d'y aller. Et du coup je reprends le vlog parce qu'en fait moi aujourd'hui du coup on est vendredi, nous on y va demain donc je pense que je ferai deux parties pour le vlog où je verrai selon la durée des vlogs.
Parce que du coup, je dois faire un gâteau. En fait, elle va annoncer le sexe du bébé dans un gâteau. Je lui ai donné des idées. On a vu ça ensemble. Et elle en a deux à faire parce qu'elle fait une journée avec notre famille, nous tous ensemble, et une autre journée avec la famille à Gautier. Parce que sinon, on était beaucoup trop. Donc, elle préfère vraiment faire ça sur 2 jours séparés. Et elle s'est rendue compte que c'était un peu trop de travail. Et du coup, elle m'a demandé de l'aider. Donc, moi, j'attends de savoir si elle va oui ou non à l'échographie. Donc, j'attends 15h30 pour aller chercher ce qu'il me faut pour faire le gâteau. J'ai juste besoin de farine et sucre, c'est tout. Parce que j'ai peur pas avoir assez, et je commencerai les gâteaux. Je vais finir aujourd'hui de filmer ma vidéo spéciale Saint-Valentin. J'ai déjà fait, regardez ce que j'ai fait hier soir, je l'ai sorti là, un gros cookie en forme de cœur avec chocolat noir, chocolat blanc, et regardez par rapport à la taille de ma main, je crois qu'on va un petit peu en avoir de trop. Je vais vous faire mon haul course, c'est ça. Je vous ai demandé sur Instagram en sondage si ça vous intéressait dans les vlogs, et vous m'avez dit à 86% oui. Je pensais pas que ça vous intéressait autant. Donc sauf que là on a fait les grosses courses. Oui, donc je disais, en fait là on a fait les énormes courses à Leclerc, les courses qui vont nous durer plus d'un mois. Regardez un peu la longueur de ce ticket de caisse. Je n'ai jamais eu un ticket de caisse aussi grand. Voilà. Il y avait 119 articles, donc je vais peut-être pas tout vous montrer. De toute façon, il y a des choses comme le papier de toilette, les sacs poubelles qui sont pas très intéressants. C'est plus la nourriture, j'ai du mal à me baisser parce qu'hier j'ai fait des squats avec mon père. Du coup, je vais vous poser dans le placard et je vous montre ce que j'ai pris au moins vite fait dans le placard, plus intéressant. Et après, on passera au frigo. Faites pas attention à mes cheveux, mais là je les ai laissés naturels et avec la neige et tout, c'est un peu une catastrophe. Donc alors, qu'est-ce qu'on a pris de bon? On a pris des soupes, tomates vermicelles, soupe à l'oignon, poulet vermicelle, voilà. Des choses comme ça, mais il y a des sauces aussi dedans. J'ai pris 2 sachets de pain de mie, ça c'est pain blanc pour mon copain et moi, pain complet pour moi. Du petit filet de maquereau à la moutarde, j'adore ça en entrée. Après, on a pris pas mal de boîtes, donc des boîtes en conserve, des lentilles, des raviolis. Ça, c'est pour quand on n'a pas envie de se prendre la tête à faire quelque chose. Je vais tester ça. D'habitude, je le prends congelé, mais on a tellement un petit congélateur. C'est une poêlée basquaise, j'ai du mal à parler, au jus de poivron avec des morceaux de chorizo. Donc ça peut être bon. Puis en conserve, ben, on peut plus facilement le stocker chez nous en conserve que dans le congélo qui est petit. On a repris des sauces tomates. Alors moi, comme j'aime pas la bolognaise avec la viande dedans, je prends de la bolognaise au poulet parce que je le digère beaucoup mieux et que je préfère tout simplement. J'ai pris des nouilles de vermicelle comme ça, et il y avait une promo, donc j'ai pris des nouilles aux œufs. On va goûter ça, j'espère que ça va être bon. Puis du riz, des pâtes, je pense que vous savez ce que c'est, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer un peu les gâteaux qu'on a pris. Je me suis pris des petits brownies au chocolat comme ça parce que j'adore. Mon copain, lui, il s'est pris ces gâteaux-là, des espèces de pépitos, des kangous. Les gâteaux, c'est plus mon copain parce que moi, j'en mange très peu. Ça, c'est pour moi, j'adore. C'était madeleine marbrée. Le matin, j'en mange 2, j'adore. Donc là, on va passer au frigo. Donc, on a repris pas mal de sauces parce qu'on n'en avait plus. Sauce barbecue, mayonnaise. Mon copain lui s'est pris de la sauce samouraï, et j'ai trouvé cette sauce là que j'ai hâte de goûter, cheddar bacon. Moi je suis fan du cheddar, donc pourquoi pas. Je me suis pris des yaourts Activia, un lot de 12, du fromage blanc à la vanille, du riz au lait, ça c'est pour mon copain, moi je supporte pas le riz au lait, du beurre mais salé, attention, on mange que ça. En fromage, moi je me prends de l'ail et fines herbes. On a pris du brie aussi. On s'est pris des pizzas comme ça pour se faire une soirée pizza. Alors moi j'en mange une et mon copain lui il s'en mange 2. Voilà, des petites carottes, ça c'est pour mon copain parce que moi je me les râpe moi-même avec des vraies carottes. Des saucisses. Ça, je vous l'avais présenté dans un favori, c'est du jambon avec du fromage au milieu, c'est super bon. Une barquette de lardons. J'ai repris des steaks hachés de saumon à la ciboulette. Ça, c'est pour mon copain, il s'est pris des demi-lunes ricotta épinards, de la viande hachée, du jambon à griller, du pâté, ça c'est pour mon copain. Du jambon pour faire des croque-monsieur. Donc on prend du jambon, on veut dire un peu bas de gamme pour le cuire. Du jambon pour manger qui est un peu plus chicos. Des bistecs. Je me suis acheté des Kinder Pinguis parce que j'adore ça. Ah ça c'est aussi une sauce que je voulais pas montrer, c'est du pesto poivron gris, au poivron grillé. J'ai
J'ai trop hâte de tester parce que moi j'adore le poivron. En ce moment, je suis dans la période où j'ai envie de manger que du poivron. Donc on a repris aussi du gruyère, un sachet de salade, ça c'est pour moi parce que je mange de la salade tout le temps, tout le temps. J'ai pris 3 sachets de mozzarella parce que j'ai des recettes à faire. J'ai pris 2 betteraves individuelles comme ça et un rouleau de feuilles de brique pour faire des petites feuilles de brique au poulet et au poivron, ça va être bon. Bon du coup il est temps pour moi de commencer le gâteau, j'ai tout sorti, je vais vous montrer comment je fais, j'en fais 2 et bon je vais vous en montrer qu'un en accélérant un petit peu. J'ai terminé le gâteau pour Mélo. On est le matin, il est 10h30, ça fait 1h que je suis levée. Et il est là, il est fini, terminé. Donc du coup je suis en pyjama etc. Mais là vous, je vais fermer ce vlog et je vais refaire un autre parce qu'il est vraiment trop long. Ne faites pas attention à ma tête ni rien. Donc je vais vous montrer le gâteau. Voilà un petit peu la bête. Et donc quand on soulève le chapeau, il y a le trou pour pouvoir y mettre les bonbons. Donc elle va mettre les bonbons, va mettre le mascarpone tout autour, le glaçage, etc. Et puis vous pouvez voir qu'il est quand même pas mal haut par rapport à ma main en fait. Oups. Voilà, du coup maintenant que le gâteau est terminé, je vais clôturer ce vlog et commencer le deuxième. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.